Salut, vous emmène aujourd'hui pousser la porte du restaurant de Bacon au Cap d'Antibes. Le restaurant de Bacon, qui doit son nom au boulevard sur lequel il est situé, est une institution créée par la famille Sordello il y a 60 ans. Si vous cherchez à manger du poisson, c'est l'un des rares restaurants à travailler encore à l'ancienne et qui a le privilège d'être livré des plus belles pièces de dorade, chapon, denti ou de superbes Saint-Pierre. D'ailleurs, pour ceux qui le veulent, à la fin de la vidéo, Monsieur Sordello vous ouvre les portes de son coffre-fort et vous pourrez y voir des pièces exceptionnelles. Bacon égale poisson, bouillabaisse et étoile Michelin grâce à son fidèle chef Serge Philippin qui a 30 ans de maison. Avec le poisson vient la superbe vue mer et les sculpteurs du souffleur de verre Novaro. Ce qu'on mange au Bacon, alors une bouillabaisse, une vraie, avec chapon, Saint-Pierre, rouget grondin entier et une tranche de lotte. Et la soupe de poisson de roche, pêche locale, superbe. Ces langoustes, vous les retrouverez dans ces ravioles, avec leur délicieux fumet très fin. Plus terroir, les ravioles loup et truffe. On accompagne d'un vin de Provence, cépage Rolle, idéal. Une merveille de simplicité et d'efficacité, la salade de la mer, avec du loup et du pajot cru. Finesse et saveur des tranches, citron et huile d'olive spécialement choisies, un vrai régal. Le loup en papillote, léger, fin et savoureux, en saison accompagné d'asperges et d'un magnifique beurre blanc. Arrivent les desserts, fabriqués sur place, et l'un des meilleurs millefeuilles que vous mangerez de votre vie. Une pâte feuilletée renversée qui permet une légèreté et un croustillant sans pareil. On pourrait ne venir presque que pour ça. Plus classique, et bien réalisé, le fondant au chocolat. Voilà, la salle est belle, la clientèle tout autant, tous les grands y sont venus. Le Bacon est un cadeau à s'offrir absolument. Pour suivre, découvrez les poissons exceptionnels dans le coffre-fort avec Monsieur Sordello. Ça c'est votre coffre-fort. Voilà. Bon, alors après, c'est possible. Non, mais ça, les langoustes, il faut les voir là-bas, ça c'est cuit. Non, alors expliquez-nous, Monsieur Sordello. Ça c'est les denti, là. Ça c'est les Saint-Pierre. Ça c'est Saint-Pierre. Les vivres comme ça, les dents, tout ça, c'est terminé ça. C'est-à-dire ils sont vivants, personne ne casse ça. Ouais. Ça c'est du sacré Saint-Pierre et ça ah, c'est des. Ouais, ouais. Non mais il y en a des petits. Alors je vais vous expliquer les Saint-Pierre de par rapport aux Saint-Pierre de Bretagne. Voilà, les ergots. Eux ils viennent d'ici. Ah ben oui, hein, à la couleur et tout. Parce qu'ils sont plus bronzés. C'est comme un type de 20 ans, un type de 80, hein, c'est pareil. Alors là, ouais, non, oui, ils sont plus verts, mais parce qu'ils sortent de l'eau, les autres. Non, mais je fais les chaluts, ils partent en Bretagne et ouais, ils restent 2-3 jours, alors il est vide, c'est de belles plantes. Et là, vous voyez nos ergots à nous, là, les trucs, là. Vous voyez comme ils sont beaucoup plus épais que ceux de Breton, ils sont fins faire comme ça, voilà. Là, on les fait enfiler, mais le gros, c'est 7 kilos, là. Oh là là, ça c'est de la prise. Ça, les pajots, on fait les salades de poisson avec ça. D'accord. C'est meilleur que les dorades. Les dorades, les petites dorades comme ça, c'est là. Alors là, c'est le passage. On appelle ça des blanquettes. Il y a un passage. Vous allez à Cannes, à Fourville, il y a des oui, dorades partout. Ah oui, voilà, d'accord. Parce qu'il y a un passage. Après, c'est fini, ça dure une semaine. Vous voyez là, c'est le poisson. Ça, c'est le bac à soupe. Voilà, là, on fait intégralement avec du poisson de roche comme ça. Vous avez vu les couleurs? Les couleurs, là, les blaviers, les trucs comme ça. C'est des merveilles, ça. Il est beau, celui-là. Je vais le mettre dans la bouillabaisse. Voilà. Venez, les langoustes, ils sont là-bas. Les langoustes et les cigarettes sont là-bas. Ah, le vivier. Ah voilà, là il y a les langoustes. Ah, il y a les cigales, je sais pas, il y en a pas. On les entend pas chanter. Non. Ça, la couleur. Ça, c'est les royales. Ça. C'est langoustes royales. Par le bois, la couleur. La violine, les violines. C'est la couleur, voilà, les violines. Ça, c'est la meilleure des langoustes. À bientôt.